préfère manger une dinde pour le repas de Noël, manger une raclette pour le repas de Noël. Alors pour le coup, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas le fromage et que je déteste ça. J'ai déjà goûté et tout, hein, mais moi ça passe pas du tout. Les seuls trucs que j'aime, encore pour moi, c'est même pas du fromage, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Mais c'est les trucs boursins, ail et fines herbes, les trucs genre... comment on appelle ça là ? C'est dans un pot d'huile là, avec une chèvre, je crois. Salakis, les trucs salakis, voilà, ces trucs là. Et voilà, c'est tout. Yo tout le monde, c'est Kylera, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Tu préfères, donc c'est un jeu, je crois que j'avais déjà fait auparavant, et tout simplement je vais répondre ce que je préfère quoi. Telle chose ou telle chose. Je sais que vous avez aimé Sous-côté, Sur-côté, vous m'avez demandé une suite, donc ne vous inquiétez pas, elle arrive cette suite. Donc là on se retrouve déjà sur Tu préfères. Donc on va commencer maintenant. Tu préfères être comme la majorité ou être différent? Personnellement, j'aime pas être comme la... Enfin, c'est con... Enfin, chacun est comme il est, mais j'ai toujours été... différente, je sais pas si on peut vraiment dire ça, chacun comme il est. Voilà, j'aime bien ne pas être comme tout le monde, mais c'est ma façon d'être, donc être différente. Ah, il y a 74%, donc là c'est bien, on a aussi le nombre de personnes qui ont voté, le pourcentage. Harry Potter ou Twilight? Eh, je n'ai pas fait exprès, mais regardez mon t-shirt. Voilà, juste ici, regardez le blason, regardez, vous savez le tatouage que j'ai là, sans hésiter, Twilight. Non. Harry Potter, sans hésiter. Yeah! Franchement, si 80% des gens avaient répondu Twilight, je crois que j'aurais fini traumatisé en PLS dans un coin et la chaîne aurait fermé, clairement. Tu préfères participer au Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe? Personnellement, je trouve les deux hyper stylés, on va pas se mentir. Attendez, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a mon sweat, on va le dégager. Allez, tu t'en vas. Hop, voilà. Donc du coup, participer au Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe, j'adore les deux. Hunger Games est cool, mais j'avoue que moi, personnellement, je préfère Maze Runner. Donc, Ah, dans les deux cas, de toute façon, tu risques de crever. Mais pour le coup, je préfère être dans le labyrinthe parce que soit tu décides de ne pas sortir du labyrinthe et en soi, tu ne crèves pas. Soit tu décides de sortir du labyrinthe et là t'as fort de chance, Michel, que tu vas crever, effectivement, t'as de fortes chances. Alors que si tu fais les Hunger Games, c'est sûr et certain que de toute façon il en reste qu'un à la fin. Donc c'est sûr que t'es censé crever ou si tu vas gagner, on ne sait pas. Mais je préfère être jeté personnellement dans le labyrinthe. Oh, c'est serré, serré. Il y a quand même 54% des gens qui préfèrent être dans le Hunger Games. Donc du coup, bah voilà, bah, c'est Hunger Games qui le remporte. Mais on sent que c'est serré quand même. Hein. On sent que t'en as, ils sont là à fond, oh putain, Hunger Games, Hunger Games. Et t'en as d'autres qui ont réfléchi comme moi et qui ont fait, attends Michel, s'il y a quand même moyen de bouffer tranquille, sans se faire emmerder, t'en aller dans le labyrinthe. Au point où on peut manger tranquillement, on est tranquille. Déplacer les objets par la pensée, arrêter le temps. Oh, tellement stylé, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais répondre là? Déplacer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déplacer les objets par la pensée, ce qui est juste incroyable. Tu te rends compte? Tout ce qu'on pourrait faire. Ou arrêter le temps, ce qui serait incroyable aussi. Alors je pense que j'aimerais pouvoir arrêter le temps. C'est stylé. Mais déplacer les objets par la pensée, c'est ouf aussi, c'est ouf. Non, je vais dire arrêter le temps. Et à 69% des gens qui pensent à arrêter le temps aussi comme moi. 31% des... Ouais, c'est pas facile comme question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez répondu pour ça, perso. Coca-Cola ou Pepsi? Sans hésiter, Coca-Cola. Je ne... Alors, je... Toi derrière ton écran, mon petit Michel. Si tu bois du Pepsi, dis-moi ce que tu trouves à Pepsi. J'aime pas le goût. Je crois qu'à KFC, d'ailleurs, t'as pas de Coca, t'as du Pepsi. Et à chaque fois que j'en prenais, bah, je sais pas, j'aime pas. Et même mes parents en avaient acheté et tout, j'aime pas le Pepsi. J'aime pas ça. Je préfère le Coca-Cola, perso. Donc dites-moi dans les commentaires ce qu'il y a de plus. Ce qu'il y a de plus. Mais je pense que c'est, voilà, chacun ses goûts. Alors, Apple, Windows. Alors, je n'ai pas besoin de parler. Voilà. Quoi? C'est quoi ces conneries? Alors là? Non mais là, eh, oh, eh, oh, oh, eh. On se fout pas un peu de la gueule des gens, dis donc. C'est quoi ces conneries? 70% des gens préfèrent Apple? Mais arrêtez. Et parce que je suis une pro, mais c'est, voilà, c'est comme t'as les pro Samsung, les pro Apple, les pro machin. Moi je suis une pro Windows, quoi. Vive Windows! Ah non, ok, non. Je respecte Apple, attention, mais je peux pas. Non, je ne peux pas. C'est comme tu pourrais m'offrir un iPhone, le dernier, hein, le dernier iPhone sorti, machin, ce que tu veux. Je ne peux pas. J'ai déjà eu un Mac. Bah, j'ai plein de potes qui ont des iPhones et tout. J'arrive pas, c'est juste une question d'habitude, ça c'est clair. Par contre, le Mac, j'ai eu un bout de temps et j'arrive pas. C'est pas. Pour moi, c'est pas.
Je sais pas, j'arrive pas, j'accroche pas du tout. C'est après chacun son truc, mais je ne suis quand même pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dites-moi, est-ce que dans les commentaires vous êtes team Mac ou team Windows d'ailleurs? Ça j'aimerais bien savoir. Je crois que je vais mettre un petit truc, un petit sondage qui va apparaître là et vous allez cliquer team Windows ou team Mac pour savoir un petit peu sur quel format vous me regardez. Burger King, Quick, McDonald's. Alors, je vais vous raconter une anecdote assez drôle. Il y a combien de temps maintenant? Il y a un bout de temps maintenant, en fait je mangeais beaucoup à McDo, enfin comme tout le monde, qu'on a tous mangé dans des fast-foods, et même si je suis pas une grande fan non plus des fast-foods, j'y vais pas tout le temps. Et du coup, Quick, déjà, j'accroche pas spécialement, donc en fait j'ai mangé une seule fois à Quick et terminé. McDo, j'y ai beaucoup mangé. Et en fait, j'avais Réchaff, mon pote qui me disait, mais tu vas voir, faut que t'ailles manger à Burger King, c'est la vie et tout. Et j'ai fait, ah bon, c'est bon et tout. Il me fait, ouais, je t'assure, c'est trop bon Burger King. Et du coup, quand j'ai voyagé à Londres il y a 2 ans de ça, je crois, je vous mettrai quelques photos. En fait, j'ai éteint un Burger King pour la première fois. J'avais dit, Anto, il faut qu'on aille à Burger King. Réchaff m'a dit qu'apparemment, c'est ouf comparé à McDo. Et du coup, il faut qu'on y aille. Et on y a été. Et ça s'est pas bien passé, Michel. Ça s'est pas bien passé du tout. Et en fait, déjà, il y avait un distrib qui était trop cool. Je vous mets les photos. Un distributeur, en fait, Coca-Cola. Mais en fait, tu pouvais choisir la boisson que tu voulais. Et en fait, t'avais sûrement, je pense, ça devait être un bras qui était caché en dessous, en fait, et qui changeait les boissons. Et tu pouvais mettre, je sais plus, je dis des conneries, mais genre Fanta, Coca-Cola, Cherry, Coca-Cola Zéro, Coca-Cola Basique, ainsi de suite. Et moi, j'avais pris Coca-Cola Cherry, puisque j'adore le Coca-Cola comme ça. Et du coup, je prends ça, et Anto commande les burgers machin, et là, c'est le moment de manger. Et franchement, les burgers, ils étaient pas ouf du tout. Et la boisson, putain, alors la boisson, je crois que c'est ce qui m'a traumatisé et je l'ai même pas bu, pour vous dire, j'ai bu une toute petite gorgée. En fait, quand j'ai commencé à la boire, j'avais l'impression que t'avais un mec qui avait jeté un efferalgan dedans. C'était horrible le goût. Tu sais, on aurait dit que t'avais mélangé, que t'avais pété le doliprane, l'efferalgan et que t'avais mis du produit pour laver, je sais pas quoi, tu sais, dedans. Du coup, il était chimique, mais c'était horrible, horrible. Et je pense que la machine avait dû être nettoyée ou je sais pas quoi, ou qu'il y avait un problème avec le distributeur, je sais pas, mais c'était pas du tout normal. Du coup, après, je suis retournée en France, c'était quand? Bah, l'année dernière, en fait, qu'un Burger King. Non, même pas. Si, c'était quoi, il y a 6 mois, quoi, qu'il y a un Burger King qui avait ouvert dans l'ancien appart où j'habitais, à côté. Et du coup, là, j'y suis retournée. Et je me suis dit, écoute, faut vraiment qu'on reteste, parce que quand j'en ai parlé à Réchaff, il m'a dit, non, mais c'est pas normal, je te promets. Du coup, je suis allée à Burger King, et là, j'ai trouvé ça trop bon. Et sans hésiter maintenant, si tu mets un Burger King face à moi et un McDo, je me dirige tout le temps vers Burger King, parce que je trouve ça vraiment excellent. Les burgers sont hyper bons, et les onion rings... Les onion rings sont ouf! Ils sont ouf! Voilà, donc c'était l'anecdote de Kiki qui aura duré 45 minutes à peu près. Mais voilà, c'était l'anecdote. Donc maintenant, vous savez, moi, sans hésiter, c'est Team Burger King. Quoi? Mais c'est pas possible! Mais, sans déconner, les gens ont des problèmes. Ils ont tous été à Londres, là. Ils ont tous été au Burger King de Londres. Alors, je pense que celui où j'ai été à Londres, ça devait pas être le meilleur, je pense, parce que... Il était vraiment pas ouf. Mais sans déconner, le Burger King, c'est la vie. C'est tellement meilleur. Les onion rings, c'est un truc de ouf, ce truc. C'est trop bon, sérieux. C'est hyper bon. Mario ou Luigi? Sans hésiter, Mario. En plus, j'ai sa petite casquette, vous la voyez pas? Attendez, je vais vous la chercher. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit truc comme ça, tu vois, tout le long de la vidéo, Michel, j'ai envie de te lire, où on discute un petit peu, pourquoi je prends cette voix, je ne sais pas, c'est quand j'ai la casquette, c'est très relou, je l'enlève. Et du coup, oui, Team Mario, sans hésiter. Luigi est cool, hein, mais je préfère Mario pour le coup. Tu préfères PlayStation, Xbox? Non, j'aime pas répondre à cette question. Oh, j'aime pas répondre à cette question. Il y en a plein pour m'embêter. Mes potes me disent tout le temps pro Xbox, va. Et en fait, quand j'étais plus jeune, tout simplement, j'ai toujours, en fait, j'ai commencé, c'est con à dire, mais j'ai commencé en fait sur la PlayStation 1. J'ai enchaîné avec la 2, et après en fait j'ai enchaîné sur la Xbox, ainsi de suite en fait. Et après bah, je suis restée sur la Xbox en fait finalement, et j'ai eu la PlayStation 3 bien après la 360 d'ailleurs. Et du coup j'ai toujours été Xbox au début, et plus le temps passe, et plus du coup bah, mon cœur est parti chez PlayStation quoi, parce que en termes d'exclusivité tout simplement, on a plus d'exclus chez PlayStation... On a plus d'exclus chez PlayStation pour le coup que Xbox. Mais je trouve, attention, que Xbox font très bien aussi. Mais c'est juste que
je pense que j'ai vraiment, ouais, mon cœur s'en va chez PlayStation parce qu'il y a plus de jeux, quoi. Faut voir ce qui sort sur cette année sur PlayStation et sur Xbox. Y a, en termes d'exclusivité, on n'a pas grand-chose, malheureusement. Donc, mon cœur part chez PlayStation. Il y a 72% des gens, voilà, qui rejoignent aussi la team PlayStation. Pour le coup, Sony le remporte avec 56 000 votes versus 21 000 pour Xbox. Voilà. Tu préfères faire un saut à l'élastique depuis un hélicoptère ou être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant un an? Oh, putain. Alors là, c'est horrible ce que je veux dire. Je sais pas. Et là, j'hésite. Hein. Ça se trouve, il y en a plein qui sont pas en train d'hésiter, qui font « Mais putain, mais faire un saut à l'élastique, c'est trop cool !» On va mettre ça, mais... Ouais, 90% des gens sont d'accord. Mais tu préfères que le Père Noël existe que Coca-Cola existe. Wow. Attends, le Père Noël, on peut pas le créer. Alors que le Coca-Cola, on peut le créer, pour le coup. Alors, sans hésiter, parce que si c'est pas Coca-Cola, admettons, il restera Pepsi. Et Pepsi s'amélioreront un petit peu, tu vois. Ils feront en sorte que ça ressemble à Coca-Cola, vraiment. Mais non, dans ce cas-là, on va mettre que le Père Noël existe. Moi, je veux que Papa Noël existe. Ça serait tellement stylé, vous imaginez? On entend les petits grelots et tout, avec les... Ah putain, ça serait trop stylé. Eh ben non, au lieu de ça, eh ben non. Voilà. Tu préfères manger une grosse cuillère à soupe de piment d'un seul coup ou manger 3 kilos d'éclairs au chocolat? Alors, je crois... Je sais plus si c'est hyper dangereux ou pas de bouffer une cuillère à soupe d'un seul coup de piment. Je crois que c'est dangereux, hein. Je sais plus. Déjà, tu te crames de ouf. Et manger 3 kilos d'éclairs au chocolat, je vais vous dire un truc... Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien manger les éclairs au chocolat. Maintenant, ça me dégoûte et je peux plus me blairer ça. Déjà, j'ai du mal à manger des pâtisseries. Et là, les éclairs au chocolat, c'est pas possible. Déjà, j'en mange un, je suis à deux doigts de gerber. Alors, 3 kilos d'éclairs au chocolat, vous pouvez m'envoyer aux urgences directes. Hein, c'est pas la peine. Donc, je préfère manger ma cuillère de piment. Voilà. Il y a quand même les gens qui préfèrent manger 3 kilos d'éclairs au chocolat. Je crois qu'ils se rendent pas compte. Parce qu'un éclair, c'est quelques grammes. Hein. C'est pas un kilo. Hein. C'est pas 3 éclairs que tu vas devoir manger. Hein. Alors, je pense qu'ils se rendent pas compte du nombre d'éclairs qu'il va falloir manger afin d'arriver à 3 kilos. Oh, l'état après, les toilettes. Enfin, je préfère ma cuillère de piment. Tu préfères manger une dinde pour le repas de Noël, manger une raclette pour le repas de Noël? Alors, pour le coup... Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas le fromage et que je déteste ça. J'ai déjà goûté et tout, hein, mais moi ça passe pas du tout. Les seuls trucs que j'aime, encore pour moi, c'est même pas du fromage, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Mais c'est les trucs boursins, ail et fines herbes, les trucs genre... comment on appelle ça là? C'est dans un pot d'huile là, avec une chèvre, je crois. Salakis, les trucs salakis, voilà, ces trucs là. Et voilà, c'est tout. Alors je sais qu'il y en a plein derrière qui vont être en mode « Mais putain, la honte, sérieux !» je sais, mais je peux pas, je ne peux pas. J'aime pas le... Ah, l'odeur, le goût, non, je peux pas. Donc, je préfère manger ma petite dinde, voilà. Mais je m'en doutais que la majorité, du coup, des gens allaient préférer, pour le coup, la raclette. Allez, on se fait une dernière question. Tu préfères que ce soit Noël tous les jours, que tu n'aies plus jamais un seul jour de congé? Bah, je préfère que ce soit Noël tous les jours, quelle question? Bah, voilà, tout le monde va répondre ça, principalement. Alors attendez, est-ce qu'on part... Parce que celle-là, elle était un peu con, hein. Tu préfères te retenir ou aller aux toilettes publiques? Oh là là, ça c'est... Attendez, quand on peut vraiment pas, des fois, on n'a pas le choix, faut aller quand même dans les toilettes publiques. Hein. Mais quand même, les toilettes publiques, quand on voit l'hygiène des gens, de temps en temps, c'est dégueulasse. Quand tu vas dans les centres commerciaux et que tu vas dans... dans les toilettes, tout simplement. Quand tu vois l'état des trucs, les concerts, j'en parle même pas, les toilettes portables, les portatifs à la con, là. Dans, quand tu rentres dedans, c'est immonde, ce truc. Alors, moi, je vous conseille, les copains, toujours quand vous allez aux toilettes publiques, dans votre sac à dos, peu importe, dans une poche ou quoi, mettez tout le temps des lingettes ou quoi pour nettoyer, quand même. Pour les mecs, c'est pratique, parce que vous avez la chance de pouvoir... pisser debout. Pour les filles, on peut aussi, c'est pas pareil, c'est un peu plus bordélique quand même. Hein. Mais voilà. Donc, me retenir ou aller aux toilettes publiques, pour le coup, si j'ai vraiment pas le choix, bah, je vais aux toilettes publiques et puis basta, quoi. Oh, 62% des gens préfèrent se retenir, quand même, que d'aller dans des toilettes publiques. Ça dépend, attendez, on parle des toilettes publiques, hein, on parle quand même de toilettes où on peut fermer la porte à clé. Du coup, les copains, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos de ce type. Et si vous avez d'autres sites, comme tu préfères, ou comme sous-côté ou sur-côté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, mon petit Michel, t'appuies sur le petit pouce bleu juste en dessous. Tu appuies un coup là où tu tapes, peu importe, sur la petite cloche qui active automatiquement les notifications. Tu t'abonnes aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, de toute façon, tout est listé dans cette petite barre d'infos juste en dessous. Attends, je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !